Ce matin, je me réjouis d'être dans ta présence. Oh mon Père, ce matin, c'est mon âme qui te bénit. Oh Père, ce matin, c'est mon esprit qui te bénit. T'adorer, heureuse d'être avec vous. Parce que je sais que quand vous entendez les premières notes de cette musique, vous savez que le grand moment est arrivé pour nous de nous rassembler en esprit pour adorer celui-là même qui a fait le ciel et la terre. Soyez tous bénis. Les chauffeurs, j'aime bien mes frères chauffeurs de taxi parce qu'ils sont connectés, et les médecins, soyez bénis parce que vous avez veillé ce matin, vous êtes connectés pour rendre gloire à Dieu. Ce Dieu qui vous a donné la connaissance pour pouvoir soigner vos malades, que son nom soit béni. Ce matin, nous voulons bénir le nom de ce Dieu qui fortifie tous les adorateurs couchés, qui auraient bien aimé se lever, danser, qui ne peuvent pas. Sachez que l'Esprit du Seigneur est là. Sa puissance est là. Elle vous couvre. Et son amour aussi vous couvre. Ce matin, je veux bénir le Seigneur pour tous ces adorateurs qui ont fait écrit toutes ces demandes d'emploi, qui vont aller les déposer de stage. Croyez que le nom du Seigneur vous précède. Alors toi, de là où tu te trouves, commence à élever son nom. Commence à bénir son nom parce que la nouvelle, vous le savez, elle est très bonne. Nous voulons, Seigneur, ce matin bénir ton nom. Oh Père, je veux t'exprimer le désir de mon cœur, celui de t'appartenir. Dis avec nous, je veux t'exprimer le désir de mon cœur. Je veux exprimer le désir de mon cœur, celui de t'appartenir. Exprimer le désir de mon âme. Exprimer le désir de mon âme, celui de t'appartenir. Dis le désir de mon esprit. Je veux exprimer le désir de mon esprit, celui de t'appartenir. Non, je ne veux pas me décourager devant l'épreuve. Non, non plus me prosterner devant les propositions indécentes. Mais je veux jeter mon cœur ce matin devant le roi des rois, celui qui siège sur le trône très élevé. Tu es tout pour moi.
Je veux célébrer ton nom, exalter ton nom, exalter ton nom, magnifier ton nom, magnifier ton nom, célébrer ton nom, célébrer ton nom, exalter ton nom, exalter ton nom. Alléluia. Je bénis ton nom, Père, parce que c'est toi qui m'as soutenu. Tu vois, la nuit a été pénible. Peut-être pour toi. Pour d'autres, la nuit a été facile. Pour certains, la nuit a été comme un moment de douleur. Mais la grâce de Dieu nous rejoint ce matin. Parce que malgré tout ce que tu as vécu, les incertitudes, les questions que tu t'es posées, ce matin tu es là encore dans sa présence. Ça veut dire que ton Dieu est fort. Il écrit droit sur les lignes courbes. De la boue, il peut faire sortir quelqu'un et l'élever. Même quand tu es né dans une famille pauvre, Dieu peut faire de toi un directeur. Il est Dieu maître de tout, il décide de tout. Alors, dis-lui encore, je veux t'adorer. T'adorer. Je veux t'adorer. Père, t'adorer. Je veux t'adorer. Tu es tout pour moi. Yeah. Tu es tout pour moi. Heureuse d'être dans ta présence. Ta présence me fait du bien. Ta présence me relève. Ta présence me comble, me comble, me comble, me comble, me comble, me comble. Alléluia. Oh Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Parce que nous savons que tu vois toutes choses avant qu'elles n'adviennent. Vous voyez, David était convaincu que le Dieu qu'il adorait était le plus fort. Alors il a osé dire au verset 32 de 1 Samuel chapitre 17 que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. La Bible dit Saül lui-même. Au verset 33 dit, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Voyez que bien souvent nous avons le courage, la force. Nous savons que de par notre adoration, de par notre intimité avec Dieu, nous pouvons réussir dans les affaires parce que nous avons Jésus. Mais il y a toujours des Saül pour nous décourager. Aujourd'hui, tu vas te lever. Si tu es tellement découragé que tu n'avais même pas envie de te lever pour sortir, aller déposer tes demandes d'emploi ou tes demandes de stage, je dis ce matin, tu vas te lever. Et nous allons dire au Seigneur, alléluia, le Dieu Tout-Puissant règne. Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant règne. Toi-même, dis-le déjà. Seigneur, tu règnes dans ma vie. Tu règnes sur cette journée. Tu règnes sur mes projets. Quelles que soient les déceptions, je proclame ce matin que tu règnes. Oh, tu règnes sur cette nation. Oh, Seigneur.
Seigneur, le Dieu tout-puissant règne ce matin. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, chante avec nous. Alléluia. Alléluia. Dis, le Seigneur, le Dieu tout-puissant règne. Chante de tout ton cœur. Alléluia. Commence à te lever du lit et chante. Alléluia. Dis alléluia, alléluia, alléluia. C'est le chant des rachetés. Le Seigneur, le Dieu tout-puissant règne. Je veux que tu chantes alléluia. Pendant que le découragement te prend, tu es en train de t'approcher du lieu de travail, mais tu as peur. Tu as peur de la décision. On te dit que la liste doit sortir de licenciement, tu as peur. Commence à chanter alléluia. Je veux que tu insistes, je veux qu'on insiste sur ces phrases. Alléluia, le Seigneur, le Dieu tout-puissant règne. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Le Seigneur, le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Continue de lui dire. Oh, alléluia. Alléluia. Le Seigneur, le Dieu tout-puissant règne. Saül, de cette journée, va vouloir te montrer tes incapacités, tes fragilités, tes faiblesses. Peut-être qu'il te montre déjà que tu ne peux pas atteindre ce niveau. Mais toi, tu dois lui dire, je sais que de moi-même, je ne pourrai pas. Mais avec le nom de Jésus, je réussirai. C'est pourquoi je dis, ce matin, nous invoquons son nom et nous disons qu'il règne dans notre vie. Ce n'est pas nous-mêmes qui régnons, c'est Dieu qui règne. Et parce que Dieu règne, nous allons aller de victoire en victoire au cœur de cette journée. Parce que Dieu règne, rien ne nous arrêtera au cœur de cette journée. Parce que Dieu règne,
toutes les situations vont se renverser en notre faveur. Oh, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Le Seigneur, le Dieu tout-puissant est. Tu es saint, tu es grand, tu es fort. Maintenant que nous avons dit qu'il règne sur nos vies, il règne sur nos cœurs, il règne sur la situation pénible que nous traversons, il règne dans notre entreprise, il règne dans notre, sur notre projet, il règne dans la vie de nos employés, il règne dans la vie de mon collègue et moi-même dans ma vie, il règne sur la vie des malades, il se répand, sa gloire se répand. Alors nous pouvons crier maintenant après cela, qu'il est saint. Oh, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Le Seigneur, le Dieu tout-puissant. Sur le trône, il est, il était, il vient. Je dis sois tranquille, parce que David avait le nom de Dieu imprimé sur son cœur. Il connaissait Dieu, c'est pourquoi il a osé dire n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Oh, alléluia. Tu vas dire avec nous. Saint.
Tu es saint. C'est pourquoi tu vois, pour que son nom puisse agir puissamment dans ta journée, tu dois toi-même aussi essayer de marcher selon sa parole. Parce que David, il avait le nom de Dieu inscrit sur son cœur. Bien qu'il était rejeté, qu'il était dans la brousse en train de conduire des troupeaux, David avait le nom de Dieu. Si au cœur de cette journée, ce Dieu dont nous avons invoqué le règne dans nos vies, si tu gardes ses commandements, ses lois dans ton cœur, si tu n'essayes pas d'entrer dans le conseil des méchants, si tu n'essayes pas de te venger toi-même, le nom de Dieu agira en ta faveur. Alors reprends avec nous, tu vas dire Saint, 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 Saint. Cette journée, je n'ai rien à dire, seulement élever son nom, seulement glorifier son nom, seulement magnifier son nom, car mon Dieu est fort. Je sens déjà sa force m'envahir. Et je crois que c'est cette même force qui t'envahit. Ton Dieu est fort. Ton Dieu est fort. Je dis quoi? David a cru. David a dit, oh moi je peux. Le roi dit, mais tu es trop petit. Aujourd'hui dit, mon Dieu est fort. Oh, mon Dieu est fort, il est fort, il est fort, il est fort, Dieu est fort, il est fort, il est fort, il est fort pour sauver, il est fort pour délivrer, il est fort pour élever, il est fort pour restaurer. Pardon, reprends les versets 32 et 33 de 1 Samuel chapitre 17. Que le Seigneur te bénisse. Tu es bon, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon.